Amen. 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 On dit alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Amen. Moi content un peu pour me là avec nous matin. Donc non pas me cesser maintenant pour moi que me peut te rencontrer, me peut te couvrir. Et donc moi c'est petite Céthéus. Je suis au Canada dans l'église de Dieu et moi content pour me là en deuxième fois pour nous parler et partager ensemble parole bon Dieu. Amen. Nous réunissons nous ensemble matin. Donc matin nous allons parler de bon Dieu, nous allons parler de royaume. Parce que sujet c'est message que Jésus te bail 12 disciples yo à le prêcher. Dans la mission yo te gain pour évangéliser à travers Jérusalem, il te bail un message important pour te porter bail chaque monde. Et nous allons dans verset matin, nous allons laisser apprendre et c'est nourrir nous avec lui, c'est dans Matthieu 10 verset 7. Donc monde qui gain Bible, ouvre Bible nous ensemble pour nous cali, appli pour nous verset ça. Et nous allons laisser apprendre ensemble matin. Matthieu 10 verset 7. Il dit comme ça. Sous toute route nous bail message ça. Gouvernement roi qui dans ciel là prêt pour arriver. Amen. Amen. On va laisser répéter ça ensemble même là nous pas en pile monde. Mais parole a dit côté nous deux, nous trois nous réunis dans le nom Jésus. Mais là dans le temps nous pour bénir nous pour sanctifier nous et bien même là nous pas en pile, n'a quand même répéter verset ça ensemble pour essayer apprendre. Donc Matthieu 10 verset 7, c'est qu'à répéter après. Matthieu 10 verset 7. Sous toute route nous. Sous toute route nous. Sous toute route nous. Sous toute route nous. Bail message ça. Bail message ça. Sous toute route nous. Bail message ça. Gouvernement royaume qui dans ciel là prêt pour y aller. Première bagaille pour nous connaître, c'est qui ça croyons, bon Dieu, bah oui. Si nous prêchons, croyons, bon Dieu, il faut connaître en nous-mêmes, ça croyons, bon Dieu. Et royaume, bon Dieu, c'est royaume qui est dans le ciel, là. Royaume papa, oua, non. Côté bon Dieu, lui-même, la prégné, c'est la ligue trône. Et puis, c'est côté tout volonté, lui respecter et accomplir. C'est côté bon, volonté, bon Dieu, faite. Elle dit, royaume, bon Dieu, depuis bon Dieu, on côté. Et que volonté, bon Dieu, faite côté ça, mais nous relève ça au royaume, bon Dieu. Amen. Amen. Donc, on y a le bras laissé, ouais, dans le royaume, bon Dieu, à travers la Bible, de Genèse à Apocalypse, qui sont au royaume, bon Dieu, en l'été manifesté. Bras le montrer, nous bras laissé, ouais, ça dans sept étapes, dans sept façons. Nous bras traverser la Bible, traverser histoire, parole, bon Dieu, pour nous, ouais, pour nous comprendre, puis bien toujours, royaume, bon Dieu, ça que. Jésus, ben non, pour nous aller évangéliser, aller parler au monde de l'immateur. Premier point, nous parler dans Genèse. Nous commencer dans Genèse. Côté royaume, bon Dieu, il était dans le jardin d'Éden. Nous connaissons l'histoire, comment bon Dieu, il créé ciel, acte, il créé jardin. Et après ça, il créé l'homme. Avec femme, il mettait dans le jardin. Mais premier bagaille, avant tout, pour nous songer et pour nous toujours qu'il y ait dans la tête, non? C'est dans Somme 10, verset 16, quand il dit « Seigneur, c'est roi lié depuis tout temps, ak pour tout temps. » Elle dit « Bon Dieu, c'est roi lié. » Tout temps, depuis commencement jusqu'à la fin, et Bible a même révélé, nous, c'est le premier et le dernier, c'est commencement et c'est fin. Donc, bon Dieu, pour tout temps et pour toute éternité, c'est lui-même qui roi, c'est lui-même qui a toujours roi. Donc, bon Dieu, il crée, c'est la terre, il crée le jardin d'Éden. Et il délègue pouvoir avec l'homme. Il dit, Adam, Ève, même créé jardin ça. M'banol pour nous dominer sous lui. Dominer sous oiseaux, dominer sous terre, cultiver terre, mais il baille tout pouvoir sous création, l'idée fait dans Genèse. Donc, jardin fait, et puis, dans un commencement, nous voyons que Jean, Adam et Ève t'a fait volonté, bon Dieu, c'est ça nous dit. Royaume, bon Dieu, c'est côté volonté, bon Dieu, fait. Mm-hmm. Bon Dieu lui-même qui sait roi, il crée, c'est la terre, il est roi, il est en trône, et puis il délègue.
aime l'homme et puis pour l'homme faire volonté. Volonté bon Dieu qui s'allie, c'est dominer. Il bail l'homme pour dominer. Eh bien, l'homme a dominé. Adam et Ève a dominé sous la création, bon Dieu. Mais nous levons l'air parce que bon Dieu, il dit dominer. Nous avons accès à tout le bagaille dans le jardin, mais un seul bagaille, bon arbre qui défend. Il dit un seul bagaille, pas à manger dans le fruit, dans l'arbre connaissance bien et mal. Seul bagaille, qu'à manger dans tout fruit, à tout côté nous voulons, mais c'est seul ça qui te gagne comme restriction. Mais vivons là, Satan, le grand Satan. Satan mesquin, risé. Il vient tenter, il vient parler dans toute risée avec Ève. Il tente et puis il fait au péché. Et c'est là ça, après péché Adam et Ève, que Satan vient pour ne prendre ce monde-là. Parce que dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, c'est ça Jean il révélait. Non? Il dit, nous connaissons. Nous sommes mon bon Dieu. Mais tout ça qui sous la terre en bas pouvoir Satan. Donc parole ça pour domination, pouvoir Satan, il prend en main l'homme, c'est à partir péché. À partir péché Adam avec Ève, il était désobéi avec parole bon Dieu. Donc désobéissance fait une perdre pouvoir, fait une perdre domination ça. Bon Dieu t'es baillé. Donc depuis là ça, bon Dieu a cherché à restaurer le royaume. Nan. C'est peut-être ça dans verset 2, on a répété encore, on a fait répéter de temps en temps. Dans Matthieu 10, verset 7, là, qui s'en songe, il dit, sous toute route, nous, bail message ça. Gouvernement royaume qui dans le ciel là, prêt pour vivre. Donc ce message ça, nous avons pour nous prêcher, nous avons pour nous louer. Qui évolution, qui travail, qui fait pour certainement vrai, bon Dieu restaurer le royaume ça, bon Dieu restaurer pardon domination ça, Satan te nous a dit voler dans main nous l'homme, qui j'en ai pral restaurer et puis faire royaume ni établir royaume ni avec l'homme encore. Deuxième bagaille, bon Dieu li te royaume bon Dieu dans le pays Israël avec peuple Israël. Kounya, Satan te fin volé domination en amène nous l'homme et puis tout bagay a passé, li temps passé et puis Satan a commencé à travailler. Tande dans histoire, tande parler de débauche, méchanceté, l'orgueil, raillement, idole. Peuple nation yo tombé à faire ça qui mal. Nous songeons histoire tout de Babel. L'orgueil monte l'homme, oh, y a créé tout pour aller monter jusque dans le ciel. Et puis les déluges rivés Noé, c'est pour même raison l'orgueil, méchanceté l'homme, péché l'homme, fait bon Dieu détruit race l'homme, sauvé Noé avec famine dans type dans un bateau avec des pères animaux. Merci frère Ben. Donc on a l'autre exemple encore, c'est Sodome et Gomorrhe qui j'en peuple sa nation saté dans zak mal. Mais dans bagay qui mal, dans idoles, désobéissance à bon Dieu, puis bon Dieu, voyez du fait sous Sodome et Gomorrhe, il détruit nation sa. Nous voyons qui j'en Satan, l'elfin prend domination en amène l'homme, ses affaires mal, il mettait dans quel homme, méchanceté, il mettait dans quel homme, pour détruire l'homme, n'a qu'à dire. Mais si tellement, bon Dieu arrivé dans Genèse chapitre 6, verset 6, si me cherchez pour nous. Bon Dieu arrivé là, il découragé. Il dit, dans Genèse 6, verset 6, il dit, il vient regrette, il te fait monde sous la terre, qu'elle vient serrer avec un pile la peine. Imaginez, bon Dieu, il prend temps, il prend sang, il crée ciel acte, il crée nous-mêmes l'homme. Et puis après chaque ça, bon Dieu fait, il dit, ah, ça bon. Li bon, li fait nous bon, li fait nous merveiller. Et puis dans désobéissance nous mais ça l'homme tourner. Mais ça Satan fait l'homme tourner dans débauche, l'orgueil. Bon, l'homme viré droit avant Dieu n'est allé. Mais bon Dieu, après il fin détruire c'est vrai dans déluge, il sorti avec famille Noé. Et puis histoire passée. Il prend le vin faire une promesse avec Abraham qui c'est le père de la promesse, il va venir choisir peuple Israël.
parmi toutes les nations qui étaient dans des gros pays. Mais yo, tout est dans affaires ça qui mal dans idole à servir bon Dieu pas yo. Mais bon Dieu il choisit peuple Israël parmi tout peuple ça yo pour le ressusciter, on t'a qu'à dire ressusciter un royaume, ressusciter en la domination dans sens pâle dans volonté pâle. Quand nous pour joindre avec peuple Israël, nous si nous t'a songé comment peuple Israël fonctionnait, c'était bon Dieu qui était leader peuple Israël. Même là, nous, bon Dieu, il utilisait Moïse à travers Moïse ou bien à travers juge. C'était tout le temps parole, bon Dieu, qui t'a parlé. Les Moïse, c'était bien pour mener le peuple dans le désert. C'était bon Dieu, la consulter. Il fait 40 jours, 40 nuits sous montagne, là, parler à bon Dieu. Ainsi parle l'Éternel, Moïse, qu'on a dit. C'est bon Dieu, nous, on est en sorte de théocratie en Israël, côté c'est bon Dieu. Bon Dieu même qui était roi en Israël et peuple là c'était royaume bon Dieu. Donc là son deuxième exemple après jardin d'Éden côté royaume bon Dieu t'a exercé dans la Bible avec peuple Israël. Donc peuple là rivons là malgré tout ça bon Dieu fait Jean bon Dieu remet peuple Israël. Il prend soin peuple Israël, il fait le sortir en bas l'esclavage en bas main. Égyptiens yo vivant les peuple a viré d'eau bah bon Dieu peuple a rejeté bon Dieu même les nous songe pile misère yo fait Moïse passer vivant côté ben ça dit peuple son peuple courait yo pas le temps de Moïse il a murmuré dans dos Moïse et fois Moïse al côté bon Dieu dit bon Dieu mais ça va faire peuple bon Dieu peuple a yo vient rejeter bon Dieu yo vient rejeter bon Dieu comme moi. Et si nous regardons dans 1 Samuel 8, verset 4 à 5, nous parlons de côté peuple là, ils ont abandonné le pouvoir bon Dieu, ils ont abandonné le roi, pour demander un roi l'homme. 1 Samuel 8, verset 4 à 5. Il dit là ça, tout chef famille qui était responsable, peuple Israël l'assemblée, il a rejoint Samuel la ville Rama. Et puis yo dit, gade, ou fin grand monde, petit yo pas suivre exemple pour te bay yo. Kouye a, choisi un roi pour gouverner nous, Jean sa fête dans tout l'autre pays. Mais ça, peuple là, a demandé Samuel. Après combien de temps, après tout temps, bon Dieu, passé avec peuple Israël, traversé à peuple Israël dans la mer rouge, sorti en bas l'esclavage. Rivons l'air comme si m'ta dit yo bouquet à bon Dieu ça yo pito tant qu'ou al gade exemple l'autre nation yo vlan roi là et puis ça t'est fait vrai bon Dieu quitte yo avec volonté de Samuel côté peuple là mais bayo al Saül mettez comme moi après ça connait histoire qui genre Saül après pral désobéir bon Dieu puis David pral venir etc. Donc là, tout ça, c'est dans le même chemin. C'est dans le même chemin, plan restitution, royaume, non, plan restitution, domination, bon Dieu. Verset à 10, dans Matthieu 10, verset 7, m'a répété encore. Jésus voyait 12 disciples, il dit, sous toute route, non, bye message ça. Gouvernement, roi qui est dans le ciel, là, prêt pour vivre. Amen. Troisième bagaille, troisième étape ou bien troisième façon nous qui parlait de royaume bon Dieu, nous connaît après ça prophète qui devine vini. Bon Dieu suscité des prophètes dans mi temps peuple Israël et prophète qui même bral vinn annoncer royaume bon Dieu ça qui vient pour venir. Nous connaît qui genre histoire peuple Israël, li long en pile pas prendre temps pour expliquer tout ça qui t'est passé. Vrai mais prophète qui était là. Bon Dieu suscité prophète qui pour annoncer, révéler à prophète qui et proclamer parole bon Dieu. Dans l'annonce là, il était venu annoncer Jésus-Christ qui t'a venu. Petit bon Dieu, roi qui t'a venu et que c'est pas lui-même. Bon Dieu pourra le faire restitution. Restitution, domination ça que l'homme t'es perdu, que l'homme t'es perdu à cause des obéissances. Premier côté, nous joignons révélation, hein, c'est
dans le prophète Nathan, dans 2 Samuel 7, quand Nathan pral parler, il dit petit David, yo pral occuper tout trône pour tout. Nous connaissons ça fait même partie lignée, bon Dieu t'a fait promesse ça à David, il dit trône ou pas jamais rester blanc en sens de génération à génération, David a bien petit lit qui chita sous trône. Et nous connaissons que Jésus c'est dans le trône David là il sorti parce que parole l'a dit Jésus est le rejeton de David. Jésus c'est petit David lié. Donc c'est dans sens ça nous sens parole la proclamation annoncement royaume annoncement Jésus qui a retourné avec dit petit David il a toujours été occupé trône en parlant aussi de Jésus qui t'a venu sous terre prendre naissance pour restituer pouvoir ça qui t'est perdu. Après ça, on a regardé dans Ésaïe 7 verset 14. Prophète Ésaïe annonce naissance l'entour. Vos questions, frère? Oui. Là, on dit donc toujours on rejeton de David qui a pris le trône d'Israël. Est-ce que vous pensez que qu'il y a en Israël, tu as du président ou bien gouvernement qui vient et on petit David qui souligne en à un moment ça. C'est une bonne question liée donc je connais même pas trop pas théologie, j'aime pas historien tout pas comme histoire peuple Israël dans un moment ça. Mais parole là, nous connais parole là c'est vérité. Si nous lisons dans la Bible c'est que ça c'est vrai. Parole là dit pas drone David successeur David a toujours un successeur sur le trône. Pas besoin de finir. Donc, c'est dans la parole là, je crois que c'est la vérité qui est dans la parole là. Est-ce que Kounia, si on a regardé, les gens qui sont sur le trône, on a fait généalogie, est-ce que c'est petit David? Je ne connais pas. Je ne généalogie, je ne pas. Mais c'est ça, je crois que c'est dans la parole, bon Dieu. Je crois dans la parole, bon Dieu. Et ce qui est important de le souligner avec la parole, ça, c'est que c'est annoncement Jésus qui t'a vu venir. Dans le sens que Jésus, c'est descendant David, et c'est vrai, Jésus vient à travers David. Et c'est pas Jésus, c'est Jésus, bon Dieu, voyez même, pour venir régler le problème, pour voir ça que t'es perdu. Amen. Nous d'accord, réponse la voix. D'accord. Ok. Donc, le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 7, verset 14, il dit, eh ben, c'est Seigneur même qui prend le bon nous aussi. Mais lui, jeune petite fille qui enceinte là, elle fait un petit garçon, la relève Emmanuel. Donc on est Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous, bon Dieu avec nous. Donc c'était dans le sens sa prophète Esaïe, lui-même tout, ensemble avec prophète Nathan, qui prophétisait, qui annonçait Jésus-Christ qui t'a venu. Donc encore une fois, on a répété même verset pour nous approcher puis près toujours de message ça, d'évangélisation ça, bon Dieu, parole ça, Jésus t'es ballon pour nous dire sur toute route nous, bah message ça, gouvernement roi qui dans ciel là prêt pour arriver. Amen. Quatrième façon, Jésus vini, prophète l'a prophétisé et ça t'est fait de vrai. Naissance, bon Jésus fait, dans Matthieu chapitre 1er, verset 21, quand les anges ont venu parler avec Joseph, Marie, qui était bral maman Jésus, il dit, il bral fait un petit garçon, ou alors il est Jésus. C'est lui-même qui bral délivrer peuple en bas péché. Mais mission Jésus te gagne sous terre. Délivrer peuple Israël en bas péché. Restituer. Royaume a restitué pouvoir, ça que nous t'ai perdu depuis Adam et Ève. Donc, rivé, ça fait vrai, dans quelques temps après, nous parlons, Marie était enceinte, Marie fait petite là, vrai, nous connaissons l'histoire, ouais, Magio, qui t'a visité Jésus, et puis Jésus a grandi, et puis pour commencer, ministère, travail que bon Dieu te voyait le faire sous terre. Jésus vini. Et puis, dans Matthieu 21, verset 9, l'Ébral fait entrer dans Jérusalem. Il dit, Matthieu 21, verset 9, quoi c'est ça? Par contre, il me prédit. Yeah. Matthieu 21, verset 9. Il dit, ni foule monde qui t'a marché devant Jésus, ni monde qui t'a marché derrière, tout t'a prélé.
Louange pour petit David là. Bénédiction pour monde qui vient dans nos mètres là. Louange pour bon Dieu jusqu'en haut dans le ciel là. Nous songeons les à Jésus dans toute humilité. Les a il a prophétisé encore, il te dit Jésus pas de aucun aspect pour plaire. Pour plaire à mon monde, il finit en commun tout simple, en couleur monde. Parce qu'il est entré dans Jérusalem, dans son petit bourrique, il était entré, c'était escon bourrique. Il touche souvent parler de bourrique, comme on dit qu'on a monté bourrique dans tant longtemps. Il n'y a pas de sous-machine, il n'y a pas de sous-charrette, tant que gros, c'est son petit bourrique qui a cherché. Et puis Jésus a entré, puis mon a acclamé Jésus. Louange pour petit David. Là. Ça, c'est un premier bagage. Il a accueilli Jésus, d'accord. Mais ça ne fait des paroles, ça dans Jean 1er, verset 11 à 12. Quand il dit, les villes dans le pays, mais tout le monde dans le pays ne peut pas recevoir. Mais ça qui te recevoir, ça qui te croit dans le lieu, il va y pouvoir pour une petite. Donc Jésus est venu. Dans le premier temps, mon yo, ok, accueillir comme ça, mais petit David. Mais parole là, il dit dans le premier chapitre Jean, c'est pas tout le monde qui te recevra le vrai. Gan pile là-dedans, yo, qui te méprisé. Gan pile là-dedans, yo, les Jésus t'a prêché. Chita sous montagne, a parlé, mon yo, c'était père poisson, yo, t'es venu chercher. Yo, pas de venir tendre, bon Dieu, vrai. Yo, pas d'accepter, bon Dieu, vrai. Après ça, gon côté, il a tellement pas accepté bon Dieu parce que bon Dieu premier côté il te voyait et disciple à prêcher c'était dans monde perdu, dans brebis perdu Israël. C'est dans peuple là même il voyait. Mais il rejeté. Après sa parole a dit mais ça vient recevoir lui, l'autre monde, l'autre nation qui pas même dans peuple Israël qui vient recevoir lui vrai, qui croit dans lui tout bon vrai, il bail au pouvoir pour une petite bon Dieu. Donc si on parole, si on rappelle lié ma terre, si nous croyons bon Dieu tout bon vrai tout que nous, si nous pas fait tant que l'autre monde ça qui te mépriser Jésus, nous recevons la tout que nous fait de nous tant bon Dieu, bien son gros pouvoir li ba nous pour nous vivre petite bon Dieu, il fait nous grâce à li ba nous pouvoir ça. C'est pas simple bagage vivre petite bon Dieu, vivre petite yon wa, c'est ça chant dit moi c'est petit toi et c'est vrai. C'est vrai, nous c'est petit toi. Parce que nous acceptons Jésus dans la vie, nous, il fait nous une petite papa. On n'a tellement pas accepté Jésus, il a cloué le soukoua. Et tellement pas accepté Jésus, il a condamné alors que le pape fanien vrai. Il a rejeté Jésus. Si on regarde dans Matthieu 10, verset 5 à 6, il dit, Jésus voyait 12 messieurs à lui. Oh non, je ne vais pas dire. Donc ça me l'a dit, c'est que, oui, il a condamné Jésus. Il a mis le clou et le sous-croix alors que Jésus n'a pas fini. Il a condamné, il a maltraité, il a méprisé Jésus. Donc, royaume ça, puisque Jésus, lui, c'est petit bon Dieu. J'ai bon Dieu qui voit, donc Jésus, c'est roi, non? Puis, yo pas recevoir royaume ça. Yo pas recevoir roi ça qui est venu pour sauver l'humanité, pour retirer nous dans le péché et restituer le pouvoir ça que nous t'ai perdu. Qui ça nous change, Matthieu 10, verset 7, ça dit encore? Sous tout là, by message là. Amen. Gouvernement roi qui dans ciel là, prêt pour arriver. Donc Jésus vini sous terre, il bat les disciples au message ça pour te annoncer. Elle dit bon royaume. Jésus il fait mourir, monter dans le ciel, et puis bon royaume lui promet qu'après venir, qu'a vini pour finalement accomplir toute bagaille. Pour finalement lâcher pouvoir ça dans mes Satan, dans Saint-Jean dit là, tout le monde entier, toute la terre va pouvoir Satan dans moment ça. Ça fait nous ouais avec qui les je dis hein. Quand pile vient à café, méchanceté, tout côté. Mais qu'on l'ait privé, ça va consent encore. Parce que Satan, il a pour titan. Bon Dieu, qu'on l'ait privé. Qu'on l'ait privé pour voir ça que le gain, la retirer dans main.
C'est pouvoir bon Dieu qui prend le régner pour tout le temps. Amen. Mais il y a un bagage qui est important. On a parlé de royaume bon Dieu. Royaume bon Dieu, mais gombare qui est important parce que nous soutenons la grâce, pas vrai? Bon Dieu fait nous grâce, nous soutenons grâce là. Bon Dieu, il retient en nous parce que par là dans Jean 14, verset 23, il dit Jésus répond lui, moun qui remet, c'est lui-même qui va faire tout ça, il fait. Papa me va remet le tout, papa me va venir joindre lui ensemble avec, na vive, nan lui. Qui bon Jésus dit, bon Dieu vive? Non. Non, non. Non, non. Donc, si Jésus, il se roi, il même a tout bon Dieu, il a vive, non, non. Et nous se dit que côté roi, côté bon Dieu, il est, c'est la royaume, non, il tout. Bien, bon Dieu fait nous un royaume. Bon Dieu fait nous vigner un royaume, même je parle de royaume à sacrificateur pour Christ. Donc, quoi nous cet homme, bon Dieu? Et nous accepter bon Dieu, il fin ba nos pouvoirs ça pour nous une petite bon Dieu vrai et lui même il vient retenir en nous, il fait de nous un royaume. Donc il fait nous sembler à Christ, c'est ça que fait dans Galates chapitre 5, il parle nous de ça. Et nous fin gain bon Dieu dans nous, fin gain le Saint-Esprit dans nous. Bien fruit Saint-Esprit, c'est fruit ça que nous doit produire. Fruit qui sort dans bon Dieu, qui fruit il parle de l'amour, la joie, la paix, la patience, bonté, bienveillance, fidélité, tempérance, douceur, tout ça yo, c'est dans bon Dieu yo. Yo dans bon Dieu, c'est bon Dieu qui a tout belle bagage ça yo. Mais l'en fin prendre nous mettel dans la vie non, il pas quitter yo dehors. L'entra tout net dans la vie non. Il en accepté bon Dieu yo dans la vie non vrai. Elle dit c'est il vient avec toute qualité ça yo puis il pas nous tout. Donc nous-mêmes, travail pas nous, c'est quitter le temple propre. C'est pour nous travailler, pour nous chercher qu'un bien dans nous saint et pur pour mon Dieu. Parce que mon Dieu, il paraît de côté qui est sale. Il paraît de côté qui est pur parce que son bon Dieu qui est pur. Lié. Donc en dedans, nous devons toujours pratiquer cet amour. Toujours pratiquer cette bonté, cette paix avec tout le monde. Toujours gain paix, toujours gain bonne relation, remet une l'autre. C'est sa parole à enseigner nous, c'est sa bon Dieu voulait nous pratiquer dans la vie nous. Ça est important. Bon Dieu, il fait de nous un royaume tout dans la vie nous. Mais là, même belle bagarre là, et là, belle bagarre là, va arriver. Côté, il y a deux phases. Dans la conclusion du royaume. Nan. Nous allons regarder dans Apocalypse chapitre 20. Côté. C'est là tout bagaille bral fini vrai dans Apocalypse nous connaissons c'est la conclusion bral fait. Final là. Si on regarde dans verset 2 à 3 Apocalypse 20. OK, bon, on commence dans verset 1. Il dit après ça moi voyons anges descendre sorti dans ciel là. Il était kembe clé gros tout sans fond dans mêle ensemble avec un gros chien. Il prend un dragon, serpent qu'il a depuis longtemps, ça y aurait le diable, ou sinon Satan. Il met une chaîne pour 1000 ans. Zange l'envoyé le jeter dans gros tout sans fond. Il ferme tout à clé, et puis il pose scellé sur lui. Comme ça, dragon n'est pas capable de prendre tête nation yo, tout autant 1000 ans l'année. Pas fin passé. Après ça, yo gen pou yo la gueule encore pour un titre. Premier bagaille, Satan, 11 anges. Satan nous voit qui pensait qu'il y a un gros pouvoir. 11 anges, bon Dieu, voyez, marre l'enchaîné, voyez l'en tout sans fond pour 1000 ans. Mes premières actions, mes premières délivrances, mes premières restitutions. Satan, même j'aime quand t'as des émissions, on a dit en bas-côte. Et tel, en bas-côte. Mais Satan en bas-côte, comment ça? En prison. Pour gloire, bon Dieu. Pour royaume, bon Dieu, il est situé. Parce que nous parlons de 1000 ans règne. Dans verset 4, là, il dit laisse ça, mon royaume, bonne fauteuil. Au bon trône. C'est là, il est.
Jige ou pral reye, ou pral jige sou, ou pral jige moun yo se renye, nou pral renye avec bon Dieu. Dans verset 6 là, il dit, mais qui moun qui pral renye avec? Di bénédiction pour moun qui a participé dans le premier levé vivant, sorti dans la mort ça. Yo se moun bon Dieu vrai. Deuxième la mort, pap gen pouvoir sou nou. Yo pral servi bon Dieu à Christ la tan kou prèt. Yo pral gouverner avec pendant 1000 années. Donc moun qui participe nan premier levé nan première résurrection moun k'ap servi moun ki se moun bon Dieu tout bon vrai yo c'est yo ki pral régner avec le Seigneur pour 1000 ans. Mes premières victoires, mes premières grandes restitutions bon Dieu fait. Pour voir ça que nous perdi c'est vrai avec péché Adam et Ève. Mais bon Dieu t'a planifié restitution à travers l'histoire. Sorti depuis dans David, arrivé dans Jésus, et puis le royaume m'a annoncé restitution pour faire quand même. Mais deuxième partie, partie finale, dans Apocalypse 22. Parce que verset Ali dit, pour un petit temps, la fin enchaînée pour 1000 ans. Ou ça la gen pour un petit temps pour la séduire nation, fait ça gen pour le fait. Et puis définitivement, il va le jeter dans le feu de la géhenne. Il va le jeter, Satan va le jeter dans l'enfer pour le temps avec l'éternité. Amen. Yeah. Mes victoires, mes victoires, mes restitutions. Et puis c'est là ça, les toutes bagailles viennent régler, cause Satan vient régler dans l'enfer. Bien nous prenons réellement jouir finalement le royaume éternel. Royaume ça que bon Dieu voyait nous prêcher. Côté il dit, allez tout partout. Qui ça lui dit côté qui ça verset dit? Il dit sur toute route non. Bah message ça. Gouvernement roi qui dans ciel là prêt pour arriver. Et il va arriver vrai pour la gloire bon Dieu. Dans Apocalypse 22, bam li pour nous verset 1 à 5, mais plutôt parce que il ben royaume n'en pral belle et c'est nous mêmes qui croyons dans mon Dieu qui pral jouer au royaume ça vrai. Apocalypse 22 verset 1 à 5. Il dit comme ça. Après ça, j'ai déjà montré mon gros la rivière de l'eau. T'a coulé sorti en bas fauteuil côté bon Dieu ak ti mouton an te chita. C'est de l'eau ça qui bay la vie. Il t'a coulé nan mitan grand ri la ville. Sous des bon rivière te gen pied bois qui bay la vie. Li donne 12 fois dans l'année. Li donne chaque mois. Ça fait yo faire même pour guérir nation yo. Pas gen yé la ville là kap tombe en bas ma dichon bon Dieu. Fauteuil bon Dieu ak ti mouton te nan mitan ville là. Tout serviteur yo va adorer. Y apparaît devant. Y a gen non l marqué sou fron yo. Pap jam fè nuit encore. Moun yo pa besoin ni lumière, lampe ni lumière soleil. Parce que met là bon Dieu va clairer yo. Il va yon lumière pour yo. Laisse ça y a gouverner pour tout temps. Amen. Mais gouvernement nous doit annoncer. Mais royaume n'attend. Mais royaume Jésus promet nous. Amen. Un royaume qui si belle, si douce. Parce que Paul l'a dit même bah yo tellement belle, yo pas jamais monter dans imagination nous vrai. Nous qu'a essayer penser mais comment ça va aller? Mais yo plus belle toujours passer ça monter dans tête noire. Laisse sa tristesse a fini, désolation va fini, douleur va fini. C'est la joie pour tout temps, pour tout temps. Parce que Satan il enchaîné, il dans l'enfer. Pas de problème encore. Nous va réellement content avec bon Dieu. Et nous va well. Noël face à face. Nous va chanter avec anges. Nous va danser, nous va louer bon Dieu. Nous va gain cœur content tout bon vrai. Et nous va régner pour tout temps avec l'Éternel bon Dieu noir. Alléluia. C'est vérité. Nous va louer.
Nous voyons, ça va y un royaume merveilleux. Un royaume si doux. Nous voir content, nous voir vivre nous une clotte. Et puis nous rester femme, et puis nous rester qu'aimer la foi dans bon Dieu. C'est dans royaume ça. Royaume bon Dieu te promet nous c'est là nous voyer. N'a pas trop longtemps. Bah c'est ça. On nous dit pour une dernière fois. Verset ça que tu apprends matin, Matthieu 10. Qui verset? Matthieu 10, verset 7. On nous dit l'ensemble, il dit, sous toute route, bye message ça. Gouvernement roi qui est dans le ciel, prêt pour arriver. Sous toute route, non, bye message ça. Gouvernement roi qui est dans le ciel, prêt pour arriver. Et la privé tout bon vrai. Parce que parole, bon Dieu, c'est la vérité. Alléluia. Mais royaume ne doit annoncer. Mais royaume, là nous prenons l'évangéliser. Et nous prenons pas le monde de bon Dieu, mais royaume nous doit porter, nous doit expliquer dans l'évangélisation. Son royaume qui sans pareil. Son royaume qui dépasse l'imagination de l'homme. Mais nous croyons dans lui, nous avons espérance. Mais il est important. Pendant qu'on a espéré le royaume, bon Dieu, pendant qu'on a espéré le royaume éternel, là, nous ne devons jamais oublier que nous avons un royaume dans nous tous. Parce que les Jésus, les rois, viennent dans nous, ils font de nous un royaume, des sacrificateurs pour bon Dieu. Et nous devons prendre soin du royaume ça, sur terre. Nous devons nourrir nos paroles, bon Dieu. Rester ferme, bon Dieu. Rester qu'aimer en dans nous, tant que ça, quoi nous? Nous purs pour jour Jésus venir les joindre nous prêts et pour nous pas manquer rendez-vous ça nous pas manquer royaume ça que n'attend depuis longtemps donc que bon Dieu bénisse nous que bon Dieu garde nous et puis qu'aime nous ferme pour jour qu'il vienne pour que nous aller dans le ciel la vrai ouais royaume ça amen que bon Dieu bénisse nous. Si pas des questions si des questions maintenant quelques questions, mais après ma parole. Pasteur. Amen. Amen. Même moi, pas de questions. Que bon Dieu bénisse nous et bon service, bon reste service dans le Seigneur.